Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon let's play sur le jeu Banished. Alors, la dernière fois, il y a eu plein de morts dans l'épisode précédent, encore une fois, mais aussi plein de naissances, ce qui fait que ça équilibre un peu la balance. Mais c'est surtout ce qui m'embêtait le plus, c'est le firewood qui est complètement à la ramasse. Et c'est pour ça que j'ai dû en faire deux dans l'épisode précédent, et ça a failli pas suffire. Donc, méfiance, méfiance. En plus, il faut que je remplace... Ouais. Il y a plein de morts qui arrivent là. Ça commence bien. Donc là il faut que je remplace. Donc le forester. Donc quoi que le forester, on va remplacer la bouffe d'abord. Parce que là le bois c'est bon, je suis large. D'ailleurs on va baisser, on va mettre. Voilà, comme ça au moins on est bon. Donc voilà. Je pense que là on est plutôt pas mal. Ah mais c'est la grosse galère à ce niveau là. Je peux pas avancer étant donné que à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, il faut que je remplace les morts des saisons précédentes. Donc non, c'est pas cool. Alors. Ce qu'il faudrait que je fasse maintenant. J'aimerais bien faire le Town Hall, mais il faut vraiment beaucoup de pierres que je n'ai pas évidemment. On va peut-être demander à récolter de la pierre. Il y en a quelque peu par ici. Là aussi. Voilà, on va tirer. On va aller la chercher loin, mais bon. Au moins ça sera fait. Alors, là il y a un laborer de disponible. Pas besoin de mettre plus d'herboristes, on va le mettre en tant que hunter. Donc on a des naissances, on a 37. Donc c'est plutôt bien, il y a des maisons vides, c'est-à-dire que c'est tranquille au niveau de la demande en maison. Mais j'aimerais plus de naissances que ça. Ah, laboureur supplémentaire. On va le mettre où? Dans Hunter. De toute façon, il me faut un peu plus de l'ether. Parce que j'en ai pas assez du tout. 4. J'ai plus de vêtements. C'est pas cool. Plein de naissances, on est à 49. On va peut-être atteindre les 50. Et ben voilà, ça y est, on est à 50. Ok, non, on est à 49. On a un fisherman qui est mort. Ah là là. Pourquoi ici il y a plein de trucs partout par terre alors que il y a quand même des espaces de stockage dédiés à cet effet qui sont en attente quoi. Valentis. Il faut vraiment que je surveille ce firewood quoi. C'est genre pas productif du tout. On va en mettre un dernier, même si ça m'embête parce que ça fait vraiment beaucoup de firewood pour pas grand chose. Il va me falloir un constructeur. Allez hop, constructeur. C'est parti. Donc là normalement ça récupère de la pierre. C'est très bien.
Là-bas, ça va construire. Peut-être un jour. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas les... la population nécessaire. À chaque fois, ils me claquent dans les doigts, les anciens, du coup... C'est un peu la galère. Il faudrait vraiment que je fasse le Town Hall. Oula! Firewood is low. Ok. Ça va. On va remplacer le Fisherman. Faut se méfier de la nourriture parce que là en fait j'étais hyper haut en nourriture. Mais c'est les... c'est l'apparition de plein d'enfants là qui va un peu changer la donne. Donc là ça va. On a quand même des gens super âgés. Donc ça y est, ils ont fini de construire. On va le mettre en woodcutter. C'était un gazer. Reste de la place? Oui, il reste de la place. Mais ça va commencer à être limite. Donc s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de mourir. Gazer. Allez, c'est bon. La nourriture, mon gros problème à l'heure actuelle. Voilà, là on a un laboureur. D'ailleurs je remarque qu'on va finir par avoir besoin de plus de foresters, parce que là on était très haut en bois, mais ça descend très vite étant donné que j'ai fait beaucoup de woodcutter. En tout cas on a plein de naissances. C'est très bien. Quoi? Ralphaz mineur ou Kevin? Ok, j'ai encore beaucoup de morts. Est-ce qu'il y a des futurs... personne en âge de travailler? Oui, au moins une. Cette barre des 50 personnes est juste atroce. C'est le truc impossible à passer, on dirait. Juste atroce. Bon, le firewood remonte très très bien. Exactement ce qu'il faut. Je vais peut-être même plus avoir assez de place pour les tombes, quoi. On a plein de naissances, on est à 14 enfants. Donc là, il faut que je remplace le mineur, c'est au moins la base. Ouais, je remplace le Fisherman. Donc le Firewood remonte, c'est très très bien. Il n'y a pas de problème avec ça, ce qui est plutôt cool. Plein de naissances. Ah, par contre, le firewood va redescendre. S'il commence à faire froid. Ah. J'en ai marre de ces morts partout là. Faut que je fasse un trading post aussi. On va en faire un. Ici. C'est parti pour un trading post.
Encore un mort, c'est qui? Hunter. On a perdu deux Hunter. Là, il va falloir surtout des nouveaux Foresters, parce que ça suffit pas, en fait. Ok, et je dis ça, il y a un Forester qui crève. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a jeté un sort sur cette partie. Ou j'ai juste vraiment pas de chance. C'est fort possible aussi. Allez. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir de nouveaux travailleurs, histoire que je puisse remplacer ceux qui sont morts pour la énième fois? C'est bon, on va bientôt avoir des nouveaux travailleurs. Mais j'ai quand même l'impression que ça se fout de moi, là. On va mettre un gros bâtiment, le trading post, c'était quand même important. Alors... enfants. Moi, c'est sûr que là il y a de quoi faire. Là ça construit bien. Alors le laboreur, on va remplacer les foresters parce que là vous voyez le bois qui part à une vitesse mais faramineuse. Je vais finir par avoir besoin de faire un truc comme ça. Non. Voilà. Allez, vous finissez ça, s'il vous plaît. Vous pouvez pas me le finir ? Ça y est, bon alors. Inventory. Alors comment ça fonctionne déjà ça? Je me souviens jamais. Ok, j'ai énormément de naissances, ce qui est ce que je veux. Par contre, ouais, voilà, il va falloir que je récupère la main sur le bois. Là j'ai des gros problèmes. Des gros problèmes. Auto purchase. Ah ah. Là, il faut que je mette tout ce que j'ai à vendre. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Que j'en ai en beaucoup. Du poisson. Mettre 600 poissons. Ça peut être bien. Par contre, il me faudrait vraiment des marchands. Mais sauf que j'en ai pas. Parce que de toute façon, j'ai pas de laboureur. S'il vous plaît, grandissez un peu. Voilà, si ça arrive, là, on va en avoir plusieurs qui vont arriver. Donc là, le firewood est assez haut, mais pas le bois. Ah, on a un nouveau laboureur. Le dernier forester est mis. À la limite, en fait, il faudrait peut-être que je mette un... Je sais ce que je vais faire. Un forester lodge, je vais en mettre un. Par contre, où exactement? Parce que ça va un peu gêner les maisons.
celui que je vais mettre par là. Évidemment, Forester est mort. Par contre, il a été remplacé. On va le mettre par là. Là, j'ai plein de gens pour remplacer. J'ai pas mal de gens pour remplacer. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais... Je disais quoi déjà? Ah oui, c'est vrai que là, le firewood est remonté. Mais pas le bois. Donc, vraiment qu'on pallie à ce problème. J'ai mis le Forester Lodge. Est-ce que j'ai mis la route? Je crois pas. Je crois pas. Voilà, là j'ai mis la route. Ah, les boreurs. Voilà, là c'est très bien. Le firewood qui fait des gros yoyos. C'est ça qu'il me faut impérativement. J'en ai tout ça. Oula, 60! Et on est quand même à 60 personnes, quoi. On est quand même à 60 personnes. Finalement, on va peut-être arriver à faire l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire 100 habitants. Bon, c'est en difficulté facile tout ça, mais quand même. Il n'en reste pas moins que on y arrive. Petit à petit, on y arrive. Ok, il y a un hunter qui est mort. C'est pas très grave, mais ce qui m'embête vraiment, c'est toujours ce... satané bois. Alors, on va placer le hunter. On va peut-être baisser la limite, en fait. On va la mettre à 800, parce que c'est peut-être beaucoup. On a un Forester qui est mort alors qu'il en faudrait 12. Ce qui est embêtant. Voilà, on va rajouter un Forester. Il y a la nourriture qui diminue aussi. Il faut faire gaffe, là il faut faire très très gaffe. C'est des moments un peu craignos comme ça. Où tout peut partir en sucette. Ça y est, on a presque plus de bois. On a presque plus de bois. À la limite, si on arrive à avoir un... Comment dire? Si on arrive à retrouver un plafond de firewood et un nombre correct de bois, on devrait pouvoir augmenter la qualité des maisons et avoir besoin de moins de firewood du coup. Ce qui serait une très très bonne nouvelle. Alors, ah, un marchand est arrivé. Ah oui, il a des poulets. Ouais, mais là, je peux pas me le permettre. Donc ça y est, on est à la limite. Et j'espère qu'on va récupérer plus de bois que ce qu'on a pour l'instant. Enfin, on va faire avec. Et on va enlever le bois qui est là-bas. Tac. On a plein de naissances, on est à 64. Ok, c'est la fin de l'épisode. C'est un épisode encore de transition. Là, pour l'instant, ça va. On a peut-être moins de morts. Ça va aller mieux.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !